Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Je vais vous présenter la méta SMG de la saison 3 sur Warzone 2.0. C'est la Larkman Sub. La classe est à la fin de la vidéo. Elle démonte tout. Faites-vous plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Oh, je suis chaud! Mais non. Oui, let's go! Baby, let's go, let's go, let's go, let's go!
ça dit quoi? Hey, salut tout le monde, c'est Rookie, nous voici pour la classe de la Larkman Sub, la méta SMG de la saison 3. C'est pas moi qui le dis, cette classe, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai copié, je vous avoue, je suis honnête, sur le youtubeur Tomaki, qui est un youtubeur qui est très fort sur Warzone et que je respecte énormément. Et donc j'ai testé sa classe, et sa classe est franchement dingue. Alors, on commence par le chargeur 40 cartouches, parce que moi je suis en solo. Je pense que pour du trio, quad, peut-être que le 50 est plus viable. Pour du solo duo, je pense que le 40 suffit. Ensuite, la Larkman TCG10, donc c'est la poignée arrière, qui permet un contrôle du recul. Mais, en fait, on va permettre du contrôle du recul tout en ajustant une visée accélérée et une vitesse de transition du sprint au tir au maximum, afin de pénaliser le moins possible chacune des catégories, et en essayant d'en avantager aussi un petit peu chacune des catégories. Ensuite, FSS Sharkfin 90, c'est l'accessoire canon, donc la poignée avant, avec un ajustement tel quel, visée accélérée et vitesse de marche en visant au maximum, avec voici les caractéristiques de cette poignée, donc qui permet contrôle de session du viseur, mais encore une fois on l'ajuste de façon à pas trop rendre l'arme lente et lourde. Canon L38 Falcon 226 mm, c'est un canon qui permet surtout une vitesse de déplacement, une vitesse accélérée, et c'est pareil, on va accentuer la vitesse de marche en visant au maximum. Cette fois-ci par contre on va garder la portée des dégâts au maximum pour éviter quand même sur les, on va dire, les fights entre le court et le moyen, moyenne portée d'être désavantagé. Et enfin un VLK laser 7 mW pour viser plus rapidement, pour diminuer le temps de viser, et avec forcément un ajustement qui est vitesse de transition du sprint de tir et visée accélérée au maximum. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, ciao ciao tout le monde.